Marisa Larousse, bonjour. Le vin, ça vous connaît, je crois, la sommellerie en particulier. Un petit peu, oui. La sommellerie, tout ce qui est autour du vin me concerne et me passionne surtout. Puis je crois que vous l'avez montré avec les nombreux prix que vous avez gagnés. Tout à fait, tout à fait. Jusqu'au Mondial, donc je suis ravie aujourd'hui d'être sur des vins rouges d'ailleurs, on va dire, parce que ça me rappelle quand je travaillais le Mondial en 92 et je retrouve exactement les mêmes goûts. Je trouve qu'ils font beaucoup de progrès aussi et c'est très intéressant. J'ai vu que vous aviez noté sur un petit carnet les vins tchèques, entre autres. Oui, oui, tout à fait. Et j'étais à Chardonnay du Monde il n'y a pas longtemps. Et même pour les Blancs, on a vraiment des Chardonnays superbes. Hein. Je trouve qu'ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts, beaucoup de progrès. Mais je pense quand même que les vins français, c'est la référence. Hein. Anormal d'être un peu chauvin. Maryse, ce n'est pas la première fois qu'on vous voit dans ce concours international des vins de Lyon. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'est de mieux en mieux, déjà, au départ. Le premier concours, on avait 100 vins, je crois, à peu près. 100 dégustateurs. 100 dégustateurs, plutôt, oui. Donc, c'était un petit peu... C'était déjà très bien, n'empêche. Hein. Mais bon, ça manque un petit peu d'opulence, on va dire. Et là, d'année en année, où je suis là tous les ans, la quatrième année, je trouve ça de mieux en mieux. On a des personnalités plus importantes. On a des vins d'ailleurs qui sont aussi très intéressants, superbes, bien faits. Et c'est vraiment, pour moi, un très joli concours. Maryse Larousse, merci. Je vous laisse à votre petit carnet. Et puis, messieurs, bonne dégustation et à très bientôt, Maryse. Merci, Michel. À bientôt.